Non mais je vais pas y arriver. Alors bonjour, je suis Fong Sang-Siri, gérante action chez Groupama Asset Management. Les deux, hein. Nous investissons en fait sur des marchés français, à la fois dans des sociétés exposées au marché domestique, mais aussi dans des sociétés qui se développent à l'international. D'ailleurs, on les accompagne sur le long terme et certaines réussissent admirablement. La majorité des grandes capitalisations françaises ont réussi à s'imposer à l'international, comme des sociétés comme L'Oréal, Air Liquide ou encore LVMH. Ainsi, l'investisseur peut bénéficier, en fait, au travers de ces sociétés françaises, de la dynamique de croissance sur des marchés éloignés. Les deux. Hein. Quand on parle de microéconomie, on fait référence en fait aux sociétés. Il faut savoir que la section de valeur est très importante en fait dans notre gestion. Nous connaissons en fait les sociétés dans lesquelles nous investissons, notamment au travers en fait de contacts réguliers avec elles, et ceci est facilité en fait par la proximité. En ce qui concerne la macro, oui, nous tenons compte de l'environnement économique et aussi des changements structurels de notre société, par exemple des changements de comportement des consommateurs, lorsque nous construisons notre portefeuille. Donc finalement, on utilise les deux approches, même si l'approche micro a un poids plus important vu qu'on fait du stock picking. Les deux aussi, mais plutôt long terme, car une partie du portefeuille est composée en fait de valeurs que nous détenons depuis de nombreuses années. En fait, elles représentent ce qu'on peut appeler le cœur du portefeuille, car ce sont des sociétés qui ont des business models solides, pérennes et éprouvés, et qui créent de la valeur en fait sur le long terme pour l'actionnaire. Ceci étant, nous pouvons avoir une approche un peu plus court terme, car nous savons saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent pour des titres dont nous jugeons le potentiel de hausse assez important. Donc de ce point de vue, nous sommes assez pragmatiques. Là, pour le coup, sport individuel, car je joue au tennis, mais je sais également jouer en équipe quand je fais un double. Alors, disons plutôt cuisine locale, même si j'aime bien goûter quand même la cuisine exotique, mais au final, je préfère la cuisine locale.